petite innovation en ce qui concerne les championnats de France. Nous avons voulu privilégier les 6 meilleurs de ces championnats. Nous en ferons de même pour les dames. Et demain sur France 3, eh bien, ce sera l'apothéose avec la barre fixe. Puisque vous savez qu'il y a plusieurs groupes qui évoluent en même temps en gymnastique. Mais nous avons choisi donc de vous montrer les 6 candidats au titre. Et parmi ces 6, c'est bien ce Bernard Pelard qui surprend. Une seule tombe carpée. Ah, c'est pas mal, c'est assez loin. Petit pas vers l'avant aussi. Oui, on a noté de plus en plus que les gymnastes ont du mal à maîtriser la réception. Autant l'impulsion et la répulsion sur le cheval sont parfaites. Et là, il y a toujours, comme d'ailleurs chez les Asiatiques, nous l'avions noté au championnat du monde, un petit pas de trop. Et c'est très difficile à maîtriser cette réception lorsque l'on a beaucoup de vitesse horizontale et de la rotation, surtout comme ici après un salto avant, où on a du mal à fixer ses repères au sol et anticiper sur la réception. Regardez, accélération dans la course. Impulsion sur le tremplin, impulsion des deux bras sur le cheval, le salto avant carpé. Là, léger rebond. Bon, la différence au niveau du saut se fera bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la chute et aussi en fonction de la note de départ du saut, c'est-à-dire de la difficulté qu'il représente en fait.